İsmim İrfan Uçar. Fransa'da yaşıyorum. 22 yıldan beri buradayız. 7 yıldan beri bu restoranda çalışıyoruz. Ailece olarak. Aynen. İki oğlumla beraber çalışıyorum. Üç oğlum var. Diğeri henüz işe başlamadı. Okula gidiyor. Burada biz fast food abi. Kebap. İşte chicken, hamburger, tacos, bu tip şeyleri satıyoruz. Tatlı da var galiba. Tatlı çeşidimiz var. Baklava, onu biz yapıyoruz. El yapımı. Ondan sonra tacoslarda sos fromajlarımız var. Onu kesinlikle biz yapıyoruz. Tacos size özgü bir sosu var değil mi? Tabii. Evet. Onun şeyi bize özel. Buranın özel bir yiyeceği galiba. Aynen. Müşteriler de bayağı beğeniyor bu sos fromajları. Ayrıca sos blanşımız var elde yaptığımız. O da çok lezzetli. Bu formül hep size ait. Tabii. Kesinlikle bize aittir. Her gelen müşterimizi de çok önemsiyoruz. Kesinlikle evimize gelen bir misafir gibi görüyoruz. Arka planda da hanımımın çok desteğini alıyorum. Bize bayağı bir yardımcı oluyor her konuda. Allah bizim hep razı olsun ondan, evlatlarımdan. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Her zamanki gibi hizmete de hazırız. Vallahi herkesi bekliyoruz işte böyle müşterilerimizi gelip burayı tatsınlar. Bu iş yapmak isteyen arkadaşlar da varsa yapmalarını tavsiye ederim. Güzel meslek. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bonjour, je m'appelle Mohamed Emine, j'ai 15 ans. Je travaille pas au restaurant pour l'instant, mais je vous conseille fortement de manger ici. C'est très très bon, très délicieux. Je le conseille fort. İsmim Can Ahmet Uşak, 19 yaşındayım. 3 yıldır ailemle çalışıyorum ve çok memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese selamlar ve saygılar. Alors Philippe, qu'est-ce que tu penses de l'équipe Royal Food? Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de notre cuisine? Dis-nous tout. Bah écoutez, pourquoi je viens ici déjà? Royal Food, le seul magasin grec kebab dans la région, déjà, première chose. Qualité, rapidité et convivialité. Au niveau tarif, c'est bien placé aussi. À chaque fois qu'on vient, on est bien reçu. On a notre ami Furkan qui fait office de relation avec le client. Avec plaisir. Le pilier, le patron, Irfani, donc lui qui s'occupe de toute la partie logistique, infrastructure. Il a refait l'intégralité du restaurant et du bâtiment. Il est soucieux de la qualité de l'accueil, du bien-être des clients. Moi, j'ai toujours du rab, personnellement, parce que je suis un client fidèle. Au niveau tarif, et puis ils ont une couverture aussi sur toute la région, donc ça, c'est à souligner aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? La qualité des produits. Donc, Irfani fait très attention sur ce qu'on peut leur offrir aux clients en termes de frites, par exemple, la qualité de la viande, il a changé plusieurs fois la viande. Donc ça, c'est important aussi parce que nous, clients, quand on mange, on n'a pas envie d'être malade. Bah, c'est bien. Bah, je te remercie, Philippe. Donc voilà, Royal Food, la seule et unique adresse de la région. D'accord? Alors bonjour, je m'appelle Furkan, j'ai 23 ans. Je travaille dans la restauration depuis plus de 3 ans. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans. Alors ici, c'est un fast-food. Les fast-food traditionnels en France, hein, on fait tout ce qui est kebab, burger, tacos, etc. De toute façon, on a les flyers ici, on va vous les présenter tout à l'heure. Moi, je me charge plutôt de la clientèle, mais dans ce métier, il faut être polyvalent, du coup, on fait à peu près tout. Alors, on va commencer à vous montrer nos produits, etc. Alors là, exemple, nous allons vous montrer comment on fait un tacos kebab sans crudité. Alors ici, nous avons la sauce fromagère fait maison. C'est vraiment la spécialité des tacos. C'est ça qui fait la différence sur les tacos. Vraiment, sans ça, on peut pas appeler ça un taco. C'est vraiment ça. Ça, c'est la sauce blanche faite maison. Alors, le tacos, faut savoir que c'est le menu préféré des jeunes. Avec le temps, on a remarqué que même les plus âgés prenez des tacos, ça a pris un très grand succès. En même temps, il faut comprendre, c'est très bourratif et très très bon. Franchement, si vous avez jamais goûté, je vous le conseille très fortement.